On va avoir sa surprise. J'espère que ce sera du gâteau. Oh, ça va. J'ai le droit. Non? Je parie que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Plus que deux salles et vous serez fixé. Sachant que tu sais pas compter, car au début tu m'avais dit 5 salles. Vous y avez cru. Moi je connaissais le truc, mais bon. C'est vrai, ouais. La première fois, j'avoue que la première fois que j'ai fait le jeu, je me suis fait avoir. Bot coop. Toujours, hein, allez voir sur le côté de la Remful ou sur ma chaîne, il y a le mode coop et on s'est bien marré, franchement. Ouais. Bam. Le moment est venu de vous tuer. Je viens d'avoir un stimulus. J'étais là en train de compléter de l'acier et je me suis dit, qu'est-ce que... Non, ne faites pas ça, ne bougez pas. Revenez. Et raté. C'est vers où qu'il faut que j'aille, moi. C'est par là. Non, écoutez, revenez quoi, allez. Bon, vous savez quoi? J'ai décidé de ne pas vous tuer, à condition que vous reveniez. Ça a déjà marché. Je remarque que vous ne reveniez pas, ce qui est un petit peu dommage. Ouais, bah. J'ai une idée. Yes, mange-toi ça, tu l'as. Non, que les jeux commencent. Ça n'a pas marché. Comment est-ce que je passe déjà là? J'ai vraiment du mal en ce moment, moi. Là, il y a du gel blanc, oui, mais bon, c'est bien beau. D'accord. On n'a rien vu. Je suis fatigué, hein. Franchement, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille. Chargement. Ça va me laisser le temps de reprendre. On arrive vers la fin du jeu, je pense que ça sera pas un mal. Excusez-moi, téléphone. Les vérins ils passent pas. Hein. Non, les vérins passent pas là. Hein. Faut écarter les poutres ou alors réduire la taille de la salle. Hein. Oui, mais je sais que c'est un piège. Mais il a oublié de réparer les tourelles ou quoi lui? Il est. Voilà, comment on s'en débarrasse de ces tourelles. J'ai jamais joué au tarot d'ailleurs. On va aller par là du coup. Il aurait désactivé simplement le rayon. Il aurait tout simplement désactivé le rayon. Et il m'aurait eu. Contre Moriarty. Aristote, plaque à écrabouiller.
J'ai complètement oublié de cliquer. J'étais là, j'attendais. Allez, vas-y, chargement. C'est bon, on peut y aller. Y a pas moyen d'aller plus vite dans ces trucs-là? Ça me rappelle un petit peu. Ça me rappelle un petit peu, comment dire. Le Space Invader, où quand on essaie de tuer le boss, on n'y arrive pas parce qu'on tire là où il est et non pas là où il va. Là j'ai l'impression de redécouvrir le jeu, hein, je vous avouerai, parce que je suis complètement paumé, je ne sais plus du tout ce que. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Ça vous a tué? Non? Oh, ça aurait été génial. Eh oh. Oh, 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 je viens d'avoir un stimulus. Si vous êtes encore en vie, je reviens dans 2 secondes. Ne mourrez pas avant que je sois revenu. Hop. Ah, c'est là. D'accord. On en a touché qu'une. Un petit peu plus au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Maintenant. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Je pense pas que ce soit ça qu'il eût fallu faire. Mais bon, c'est pas grave. On va faire un truc. Allez. Tu rentres dans ce portail, oui? C'est du bleu. Hop là. Et on y va. Salut toi. Si je trouve un champ d'émancipation, je t'émancipe. Ah, pas de chance, y'en a un là. Je t'émancipe, ouais. Je vais pas la séparer de ses parents, enfin. Techniquement si, parce que je la tue. Mais... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Le champ d'émancipation, est-ce que quand on passe dedans, est-ce qu'on est encore légalement sous la tutelle de nos parents si on est mineur? Ok, ça nous envoie des bombes. Là, on a un tuyau blanc. Ah, mais là, il y a un trou dans la vitre. Et donc là, normalement, ça devrait nous envoyer des bombes sur le tuyau blanc. Ok. On est là, on n'entend plus Whitley d'ailleurs, c'est assez étrange, non? Les bureaux d'aperture, toujours. Ça reste quand même assez linéaire, hein, comme jeu. Il n'y a toujours qu'un seul chemin possible. Hop là. Voilà. Je voulais vous toucher deux mots, si vous permettez. Je vais être franc. Jusqu'ici, les pièges mortels n'ont pas super bien marché. Pour vous comme pour moi. Vous ne relirez pas. Et vous vous approchez dangereusement de mon repère. Repère?
C'est la première fois que je le dis. Ça fait un peu ridicule, non? Mais c'est le bon terme, je vous assure. Un repère en bonne et due forme, mortel. Et... pas moyen de le détruire, lui. De vous suicider maintenant, avant d'arriver dans mon repère. Tenez, vous pouvez sauter dans ce broyeur là-bas. Ce n'est pas tant un piège qu'une invitation à mourir. Je sais que ça paraît idiot, mais écoutez-moi bien. Quand vous arriverez à port, en simplement un nom, eh bien dans ce cas, que le meilleur gagne, humain ou sphère, surtout sphère. Y a pas faute. Ah là, j'ai son écran. Ouais. Sauf que tu n'avais pas prévu que je mette du gel. Faut aller où au fait? Faut aller juste là. Hop là. On garde le gel sous la main parce qu'on va en avoir besoin. Ah oui d'ailleurs là ça me rappelle vaguement. Attendez, on va regarder juste là. Ça, ça me rappelle légèrement la fin de Half-Life 2. On sent les mecs qui comment dire, c'était du orange qu'il fallait. Merci. Comme ça ensuite, il me faut mettre le bleu ici. On sent les mecs qui bossent chez Valve quoi. Une fin de jeu à la Half-Life 2 dans un jeu en rapport avec... C'est vrai que... Enfin quand on y réfléchit, il n'y a pas énormément de blabla entre Aperture et Black Mesa, à part quelques petites blagues. Mais c'est vrai que peut-être apporter une touche entre Black Mesa et Aperture, ça pourrait être intéressant. Et bah ouais, c'est comme ça. Encore un sas. Ils ont trouvé toutes les formes de sas possibles pour nous faire des chargements. Mais techniquement, sans ces sas en 3D, eh bien on serait coincé. Regardez, là, je peux pas remonter dans mon portail qui est juste en dessous. Mais de toute façon, quand bien même je pourrais, parce que je peux mettre un portail là et un portail là, je pourrais pas sortir parce que la porte serait fermée. Et ça, ça nous permet tout simplement de décharger les modèles 3D, c'est ça qui est beau. Et une fois qu'on a déchargé les modèles 3D, on peut y aller. Ok. Mais ils sont bien ces cœurs corrompus, non? Ils vont pas faire quelque chose de trop dangereux? Il y a quoi là-dedans? C'est assez noir. C'est un mur en fait. Ouais. C'est très sombre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il fait remonter du gel? En même temps, j'ai réactivé les pompes, donc ça doit être pour ça que le gel remonte. Il n'y a plus les disjoncteurs. D'accord. Ah si tout s'était détruit dans 6 minutes. Après je prends une minute de pause, du coup il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon bah il y a récolté bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portales. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes. J'ai... Et du coup, 4o, des bombes pour vous. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais être fair-play et désactiver les neurotoxines. Non, je plaisante. Adieu pour les bonbons. Niveau de neurotoxines opérationnel dans 5 minutes. Je suis là. Ne courez pas. Je suis là. Parce que plus vous respirez fort, plus vous inhalez les neurotoxines. C'est vraiment bien fait. En fait,
C'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège le plus sûr. Je voulais vous donner l'impression que vous m'aviez piégé. Sauf que le coup du tuyau, tout ça, j'avais tout soigneusement préparé à l'avance pour vous donner de faux espoirs. Maintenant, vous êtes trop en confiance et vous allez commettre des erreurs. Des erreurs fatales. Non, ouais, t'en as commis une. Faut que j'aille où, moi. Comment ça se fait que là il y a du bleu? Faut que je branche où? Ah, c'est là qu'il faut que je branche. Voilà, c'est celui qui clignote. À 50%, ventilation défaillante, neurotoxine désactivée, explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez mis là? C'était quoi? Un instant. Ces satanées bombes sont coincées. C'est pas grave, j'ai reconfiguré. Hop là. Elle est où le deuxième? Il est où? J'ai un reflet sur mon écran, je ne vois pas où est-ce que tu le mets. Je vois absolument plus mon écran, j'ai un bon reflet. Ah mais... Merci. Hop là. Décompte d'explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira dans 2... D'accord. C'est le bordel. Hop. Il est où? D'accord, il est là-haut. Il y avait pas du gel orange dans la fin. Ah si, voilà, je me disais bien. William Shakespeare n'a jamais existé. Ses pièces ont été créées en 1589 par Francis Bacon, qui s'est servi d'une blanche de Ouija pour asservir des esprits dramaturges. J'aime beaucoup. Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution, confirmez le démarrage. Cœur corrompu, confirmez le démarrage. À votre avis. Réponse vague, considérée comme affirmative. Putain, la paire, c'est rien. Temporisation détectée. Ah, faut que j'appuie sur le bouton. Dans l'annexe de résolution des temporisations, extinction. Ah, ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir, plus tôt ça aurait été mieux. Détemporisateur qualifié, veuillez appuyer sur le bouton de résolution des temporisations. Allez, n'appuyez pas sur ce bouton. Je vais appuyer. Non, la trapite retard, le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh, mais attendez! Possible! Déjà quoi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné? Et alors là, on a la plus belle fin possible d'un jeu vidéo. Ça.
Un tir sur la lune. Bon là par contre je retiens mon souffle. Ça je trouve que c'est la fin la plus magnifique qu'ils aient pu faire pour Portal 2 quoi. C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Ah là là. GLaDOS se réveille. Mais on apprend plein de choses en fait dans ce jeu. On apprend plein de choses. On voit qu'il y a une certaine psychologie qui évolue au cours du jeu et qui est assez intéressante sur l'ennemi principal. Coucou vous. Chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline est supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à la tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tuée sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. C'était sympa. Si on regarde, c'est une certaine psychologie dans ce jeu en fait, où on voit l'évolution du méchant par rapport au gentil, et l'évolution même des gentils par rapport au méchant. C'est assez intéressant, je trouve. Parce que Wheatley, on l'a toujours considéré comme un robot minable, ce qui fait que quand il nous a enfin aidé, eh bien, qu'est-ce que je veux dire, quand on a enfin battu GLaDOS, Wheatley était tellement... Je suis déconcentré par ces tourelles en fait. Wheatley était tellement submergé par le fait qu'on l'ait toujours pris pour un con que le pouvoir l'a transformé. Et GLaDOS, sans son pouvoir, au final s'est rendu compte que elle pouvait très bien être gentille au final. Je sais pas si j'ai été clair parce que j'ai été un peu déconcentré car c'est vachement beau comme scène. Les paroles, si je me souviens bien, des paroles en... quand on les traduit, ça donne va mon cher enfant. Ça fait réfléchir sur les parents de Shell. D'un champ de blé. Très bien réalisé d'ailleurs. Companion Cube. Et un autre générique qui est juste excellent. Je vous laisse l'écouter. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. I used to want you.
like you. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set of that's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. L'espace, il y en a beaucoup, je veux te voir. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, faire certaines choses différemment. Non, c'est vrai. Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace. Fuir l'espace. Eh oui, l'ami. On est dans l'espace. Tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... pardon. Avec sincérité. Pardon d'avoir été... tyrannique et monstrueux. Je suis vraiment navré. Fuir l'espace. Fin. Et voilà, c'est sur cette merveilleuse fin que le let's play de Portal 2 s'achève. Et ça y est, je viens de me souvenir ce que j'avais à vous dire. Les développeurs du jeu ont énormément travaillé sur les animations des robots pour qu'ils aient vraiment l'impression, qu'on ait vraiment l'impression qu'ils aient une émotion quand ils nous parlent. On peut le voir d'ailleurs avec toutes les parties et tout ça, et ils ont galéré à rentrer ça dans des petites sphères pour donner vraiment l'impression que le robot a une émotion. C'était bien fait. Et sinon, bah voilà, le jeu est fini, et j'espère que le let's play vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain let's play. Je l'ai dit sur Twitter, il va s'agir de Mirror's Edge. Donc à très bientôt, et sur ce, portez-vous bien. Salut !